match. D'accord ? Donc c'est vraiment cette idée-là de fixer, d'avoir le jeu combiné que vous êtes capable de mettre en place ici, d'avoir trois joueurs ici qui ont des qualités dans la relance pour vraiment réussir à les embêter et fixer à l'intérieur et ensuite aller jouer sur Abel avec. Encore une fois pour cette année, pour votre saison, d'aller encore une fois sur quelque chose de plaisant et de se dire que cette année on aura fait des trucs. Et là on sort un petit peu de notre zone de confort. Il va falloir être concentré parce qu'on va être en 4-2-3-1. Est-ce qu'ils sont en pointe haute, est-ce qu'ils sont en pointe basse? Une fois qu'ils seront dans notre camp, il va falloir passer en 3-4-3. On se met sur du haut niveau, on se met en 4-2-3-1, on essaie d'être costaud. Non, on se met sur du haut niveau en termes de compréhension, en termes d'adaptation. Oui, des fois, ça sera Evan finalement de sortir parce que Noah sera trop, mais Noah va venir compenser comme encore une fois, on l'a bien fait vendredi. Moi, je vous le dis, on ne le fait pas avec n'importe quel groupe, ça. Mais avec vous, on se dit qu'on peut se permettre de le faire. Avant la séance de vendredi, c'était un test. Vu comment vous répondez sur la séance de vendredi, nous, on se dit qu'on peut le tenter, qu'on peut le faire. Maintenant, ce qui serait intéressant, et ce qui a été intéressant jusqu'à maintenant, c'est toutes les questions que vous avez pu poser vendredi. L'envie de comprendre les choses et de vivre votre truc et d'être acteur, encore une fois, de ce qu'on met en place. C'est pas nous qui allons faire gagner le match juste en jouant 3-4-3 losanges. Loin de là. Par contre, vous, ce que vous allez puiser dans tout ça, là, ça peut être intéressant. Prenez plaisir à ça, les 4 milieux, prenez plaisir à leur mettre le feu au milieu. Junior à t'insérer dans des espaces qu'eux, ils t'auront libéré. Prenez plaisir à vous projeter là dans l'espace une fois qu'on trouve Alex ou Abel. Il va y avoir des trucs top. Mais il faut que vous vous imprégniez de ça et que vous preniez plaisir à eux les mettre dans la merde. Et eux leur mettre le feu. Moi, ce que j'ai préféré, c'était quand ils nous ont montré le jeu de Manchester City. Sortir de la pression juste sur votre prise. Parce que sur ma prise, sur ma première touche de balle, il se passe quelque chose. S'il se passe rien, là, ils vont nous tamponner. Mais sinon, moi, je l'attends, je suis mis d'aller là-bas, je vais là-bas, vous êtes tous capables de le faire. Et derrière, vous avez, vous gagnez une, deux secondes pour jouer. Et juste ça, ça fait la différence. D'accord, les garçons ? Les 5 premières minutes, les 15 premières minutes, là. Ce truc où on voulait rentrer fort, mais que nous, on est prêts. On n'est plus surpris par ce genre d'intensité, par ce genre de duel, etc. On n'est plus surpris. Soyez patients, au fur et à mesure, on va leur poser des problèmes. Encore une fois, au milieu de terrain, prenez plaisir à leur poser des problèmes. Défensivement, prenez plaisir à être patient et à aller trouver la passe qui fait mal. On est patient sur tout ça, on peut leur faire mal. Encore une fois, sur la durée, ça va le faire. Construisez votre match, tous ensemble, encore une fois, plus que jamais, tous ensemble. Il y a du monde autour du terrain, c'est un match important, c'est un match de prestige. C'est un match qui vous tient à cœur, mais pas plus à vous dire. Maintenant, juste aller kiffer sur terrain, un max de plaisir. Ok les garçons, tous ensemble. Allez, c'est parti. Capitaine, 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 capitaine.
mignon. Si vous vous sentez bien, c'est bien, mais il va falloir être comme ça. D'accord ? Donc si vous êtes dans des bonnes sensations, c'est très bien. Mais par contre, c'est pas suffisant pour l'instant dans ce que vous montrez. Donc, tant mieux si vous avez les bonnes sensations. Maintenant, vous savez juste qu'il faut remonter d'un cran techniquement. Parce que là, c'est pas suffisant. Tout n'est pas ajouté à l'entraînement. Derrière, dès que on a été mieux sur ce positionnement-là, il y a eu des trucs intéressants. Vous vous êtes trouvé dès le début du match, malgré ça, on a trouvé des choses intéressantes. Gabin, quand tu es plus haut, que tu t'appuies, c'est top, t'as tout compris. Donc restez dans ça, cultivez ça. Et là, il y a des choses intéressantes. Par contre, voilà, ça part des défenseurs qui doivent avoir orientation du corps pour aller jouer vers l'avant. Les milieux de terrain, pareil, qui cherchent les espaces libres, qui se déplacent pas n'importe comment, qui cherchent des espaces libres entre les mecs de Bordeaux, mais ils sont tout le temps en infériorité. S'ils y sont pas, c'est qu'il faut contourner. Mais vous, au moins, restez là à fixer et à trouver des zones libres. Que dès qu'on vous touche, prise vers l'avant, comme Noah l'a très bien. D'accord, les gars, un peu plus de justesse technique. Après, dans le dernier geste, mais là, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Et partez pas dans ce truc que le match, c'est compliqué, on n'est pas bien. Et vous êtes dans ce qu'il faut faire. Par contre, c'est sûr que techniquement, il faut qu'on passe un petit cap. Nous, on a des joueurs offensifs qui ont pris dessus. On est en réussite quand même sur le jeu combiné. On arrive à trouver des choses qu'on ne trouve pas à chaque match. Là, on les trouve. Maintenant, c'est à vous. On avait dit qu'on construirait ce match. On avait dit que même si on était mené à 0, c'était pas grave. Allez m'emballer, ce qu'on a. Allez leur mettre le feu sur l'un contre un. Défensivement, il faudra être patient. Il y a des bons joueurs. On est patient. Au moins on en ressort des trucs. Aujourd'hui, mine de rien, malgré qu'en face c'était fort, qu'en face ça galopait et que dans les duels ça faisait mal, pathétiquement ils étaient bien. Finalement, si on a un peu plus de justesse technique dans le dernier geste, finalement on revient à 2-1, ou on prend pas le 2-0, mais que malgré tout ça sur autre chose. 2-0, mais on prend le 3. On a des occasions à la fin, on les met en difficulté. Ça, par contre, là-dessus, joueur défensif. Enfin, en tout cas, tous les joueurs, mais quand on a le ballon, on arrive à être meilleur, plus juste techniquement dans ces petits détails qui font la différence. Donc encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, bravo pour vos efforts, encore une fois, personne qui triche, personne qui lâche. Je sais que c'était dur à la fin, mais par contre, les garçons, si vous voulez reprendre des points dans ce genre de match, ces matchs-là qui font plaisir, à la fin, quand on les termine et qu'on a des points, levez votre niveau d'exigence sur ça. Je sais que c'est facile à dire. Mais travaillez ça sur les séances, mettez-vous dans le rouge pour techniquement être plus juste quand c'est dur, quand il y a plus d'espace, quand on est fatigué. Parce qu'à l'arrivée, il nous manque juste ça. Si vous voulez jouer, si vous voulez ne pas être remplacé, si vous voulez, normalement techniquement, les joueurs offensifs vont être en plus. Les défenseurs, il faut réussir à ce qu'on ait des décalages, à créer des décalages au milieu de devant, ne serait-ce que par votre conduite, par vos prises, par vos passes. Mais nous, techniquement, on doit chercher à être un petit peu meilleur dans ces phases. D'accord les garçons. Allez, bravo à tous. Défaite 2-0, des petits regrets sur notre capacité à être au niveau techniquement et notamment dans le dernier geste. Ça nous aurait peut-être permis sur la fin de match notamment de revenir à 2-1 un petit peu plus tôt. Voilà. Sinon les garçons jusqu'au bout on se sont battus et on fait en sorte de pouvoir revenir un petit peu à l'énergie. Mais on est tombé aussi sur une belle équipe des Girondins aujourd'hui. Qui était revanchard après avoir perdu au match aller, on s'y attendait aussi. Donc voilà, belle prestation de leur part et nous de notre côté, voilà, des petits regrets sur l'aspect technique.